Allez, on va jouer juste des cartes un peu différentes. Juste parce que pourquoi pas. Pourquoi Archon? Parce que je suis à la maison d'Archon. Oh, j'ai eu encore quelques donations. Encore un peu de Kinilis. Tu m'as oublié, moi, ton plus fidèle viewer, pas comme ça. Jamais ce sans plus d'ad. Oublie pas ma musique cette fois. Allez, let's go. Et 10$ de parano. Un petit don pour un grand streamer. Continue de faire rêver, t'es génial. Oh, merci, c'est tellement généreux, mec. Ok. Allez, on va mettre ça tout de suite. Oh, deux armes. Ah, pas fabricante, c'est ok contre ça, je dirais. Ouh, surtout avec deux. Skamaz est toujours pas là, non. Ils étaient sortis pendant notre panne de courant, donc ils vont revenir éventuellement, mais pas pour un petit peu. Ah, ça c'est un problème, mais... Whatever. Après, s'il active l'œuf, il joue pas Endgame Boss, donc... et s'il active ça après, ça veut dire qu'on aura le mana pour la Deathbite. Quoi cette chanson? C'est quoi cette chanson? Vous êtes tellement généreux, les gars, aujourd'hui. Merci tellement. Oh, juste Hero Power, c'est faible. Hein? Oh, allez! Trog! Je pourrais tuer ça maintenant. Non, je peux pas. Je pense qu'on juste commence à utiliser notre Firewax. Autant prendre tous ces trades. Ça nous donne 2 points de vie par attaque, donc c'est pas mal. Waouh, il a même pas. Waouh, c'est tellement étrange qu'il a pas essayé de faire mieux. De tuer le gars avec plus de points de vie. En termes de développement, c'est un très bon play là. Donc je pense qu'avec cette main là, justicière sera jouée sur tour 8. Parce qu'on a un 5, un 6, un 7, et après on peut commencer à armor up. Ah, c'est chiant ça par contre. Ouais, c'est vraiment fort pour lui. Argus, c'est toujours un problème pour Warrior. Ouh. Non, ça doit être. Je pense que ça doit être mieux de faire ça quand même. Ouais, parce que j'ai besoin du sonner pour l'œuf. Parce que. Comme ça, je peux attaquer la 4-4. Donc là, ça devient une partie de. Ça devient. Quelqu'un qui suit la musique. Bah, c'est une petite donation, donc j'ai forcé quoi. Donc ça devient une partie où lui, tout ce qu'il veut faire, c'est protéger l'œuf. Parce que il veut pas se faire baston en gros. Bon, et le shield bearer, ça l'aide. Dans ce plan, parce que je peux. Si j'attaque l'œuf ici, après. Je pourrais baston, mais c'est pas génial. Je pense que je fais juste ça. Parce que si j'attaquais l'œuf, il fallait quand même tuer la 4-4, donc. Ouais, voilà. Prochain tour, on va jouer notre Troxor. Enough. Franchement, faut mettre de la bonne musique, les gars, au lieu de ça. Oh, Gormok, c'est fort, ça. Je pense qu'il est peut-être temps de baston, là. Nah. Trogs or go. Boom était mieux là.
Allez, Garma, Garma qui fait un beau effort là. Maintenant, il est peut-être temps de baston. Vu que j'ai pas une Ezek. Je prends le face. Je peux faire ça. Bash, slam ici, attaque ici. Il restera ça. Ou je vais... Non. Allez! On prend 7! Fuck this game, man. Même pas les Ezek du top. Ah, c'est génial, on a pris 7, les boys. Ah, il y a un argument pour Despite ici. Allez, le PJH! Oh, ce match, il est tellement troll. Il y a une plus forte probabilité que je meure ici, mais je pense que ça meurt play. Parce que si je joue juste ici R, armure, tout ce qu'il fait, c'est implosion, et après je prends trop de dégâts, je meurs comme ça. Donc je pense que c'est juste un meilleur play, même s'il y a une forte probabilité même que je meurs. Ouais. Baby Rage. On a perdu quand Boom a gagné la 1 sur 6 baston. Nouvelle carte. C'est peut-être juste aggro là, je sais pas. Ça c'est vraiment chiant. Ça va mourir pour quelques tours. Je pense que j'équipe la Deathbite comme ça, j'ai pas trop peur de pièces harissantes. Du coup, je peux pas sonner à cause de ça, c'est un peu chiant. On va voir ce qui se passe. Elle est ok cette attaque. Parce que s'il joue une autre créature, il y a une chance que ça buffe l'autre créature et donc ça meurt à l'effet tourbillon. Contre ça, on est un peu puni, mais c'est juste pas un play génial pour lui. Ça lui permet de board clear, mais bon, whatever. C'est juste pas un bon play, donc je m'en soucie pas. Qu'est-ce que je fais chez Archon? Ils avaient hosté un tournoi ce week-end. Ouh, justicière Time Rewinder pour les 8 points de vie par tour. Ah, pas trop envie d'attaquer avec la Deathbite. Je pense que c'est juste ça.
Il est un peu nul ce tour, mais il est ok. J'aurais pu face Ezek, mais la justicière qui prend un trade sur un Oreb, c'est bien. Voilà, donc maintenant pour le boom, j'ai le tourbillon équipé pour tout gérer, quoi. Ouais, c'est génial. Ah, j'ai manqué un autre dent? Non. Si. 10 dollars daily. Ah, oh, ah, ah, yo, Joe, ah, oh. Je sais pas comment le lire phonétiquement. Will it be worth every penny if you read it? Keep how much love. C'est pas évident de lire ça. C'est vraiment. Merci, Ellie, mais c'est vraiment pas évident de lire ça. C'est le même, donc il joue aggro. Le singe est pas mal correct. Et Zek aussi. Pour Fellriver? Non, on va le jeter. Je pense que c'est important d'avoir Fabricant dans ce match-up. Allez! Parce qu'il y a les racines vivantes. Tu veux juste pas tu veux diminuer tous les dégâts que tu prends.
J'aurais dû l'attaquer en premier, réduire mes points de vie au lieu de perdre mon armure, mais bon. Boom sera un problème, mais à part ça, on est ok, je pense. Avec Boom, on attaque le Shredder en baston, on devrait être ok tant que le Boom ne gagne pas encore une fois. Et après, il y a juste une chance qu'il ait juste pas vraiment des créatures là. Là, il devrait les face, ouais. Ah bon, bah ça va être Roxor, je pense. On est bas en point de vie, donc ça, si c'est une carte de combo, il trouve la force ou le rugissement après, il va être bien. Ça, c'est nul. Je pense que c'est Trog quand même. Ça limite ses options pour son tour. Et il a pas beaucoup de cartes, donc il a pas beaucoup d'options, donc il y a une chance qu'il va juste pas pouvoir jouer autour de Trogzor. J'ai menti. Aïe. Donc, Slam Ezek. 100%. Ça doit être rugissement ou force, ça fait trop peur ça. Non, on peut pas jouer ça. Non. De toute façon, armure ça fait rien donc. Et je vais pas attaquer une créature de toute façon. Hey Orange! Non! 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 On est mort! What up Orange? Yo! Sorry, I'll interrupt the French talking. Oh, come in. Wait. We were winning in terms of value, buddy, but then they killed us. But look at all that value, how can you lose? We have Steeds and Trogzor in this list. Oh boy. Oh boy. A true purple build.